Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek. Allez, on commence la semaine, on est lundi, je vous rappelle, il y aura au moins 5 produits cette semaine, vu que j'en ai déjà 3 à faire dans la foulée, donc il reste plus que 2 jours et on va certainement recevoir des trucs dans la semaine. Allez, on commence par cette enceinte Baseus, c'est mieux. Alors, c'est la E05, c'est marqué en même temps là, Uncooked Minicube E05, c'est une enceinte Bluetooth en 4.2. classique. Donc emmenez l'enceinte avec vous, elle est IPX4, ça veut dire qu'elle résiste aux projections d'eau, hein. C'est un grand mot, c'est à dire qu'au bord de la piscine elle résiste aux projections d'eau, pas mal, résistant aux éclaboussures, Bluetooth jusqu'à 10 mètres, grande autonomie, 400 heures en veille, mais bon ça, oui, bah, si tu t'en sers pas, elle va durer longtemps, c'est la bonne nouvelle, 15 heures d'écoute, ouais ça paraît beaucoup, mais en même temps l'enceinte est assez conséquente, se charge en 2 heures avec une batterie de 1500 mAh, et puis voilà. Donc du coup, dans la boîte, je ne vais même pas regarder ce qu'il y avait. Il doit y avoir un espèce de pauvre câble USB que j'ai pas déballé. Ah, voilà. Oh, très joli. Le truc dessus, j'avais oublié. Un petit câble micro USB dans la boîte. Pour son... Tu vois, on va pas rester une heure et demie là-dessus. Ouais, tu me croiras sur parole. Il y a vraiment un câble micro USB. Ici, on referme la boîte pour laisser un peu d'advertisement marketing. Bon, au niveau de l'enceinte. Bien, joli, noir, comme ça. Sur ce côté-là, rien. Sur ce côté-là, rien. C'était une petite anse. Alors, c'est un espèce de lacet. tu feras ton nœud toi-même. Hein, voilà, comme ça, tu choisiras. Alors, si tu ne sais pas faire de nœud, c'est mort. Mais si tu fais un nœud, c'est joli comme ça. Bon, en dessous, les normes, machin et tout, ça, c'est bien. Ici, rien. Alors, où c'est que j'ai vu? Ah, il est là, l'emplacement. J'ai vu qu'il y avait un emplacement pour mettre la charge et une entrée auxiliaire. C'est-à-dire que tu pourras mettre la recharge directement en micro USB. Normal, et tu vas pouvoir mettre une prise jack si tu as un vieux lecteur MP3 ou une Game Boy qui a une sortie jack, et ben du coup tu pourras la brancher directement dessus de jack à jack, ce qui est un double jack et non pas un black jack, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Bon, au niveau des, boutons, plus moins, voilà, pour le son et éventuellement pour l'audio, et un bouton power on off. Donc bien sûr, l'enceinte, tu vas pouvoir la mettre avec ton téléphone en Bluetooth, que j'ai déjà fait. Alors, je vais le mettre un peu comme ça. Voilà, donc on prend de la musique libre de droit, Joachim Carub, comme toujours. On met le son. Alors, ce qu'on va faire, on va la mettre à fond sur le téléphone. Comme ça, on pourra régler un. Allez, on met l'enceinte un peu ici. Là, on est à fond. À fond sur l'enceinte et... à fond sur le téléphone. Alors, bon, une chose qui est sûre, c'est que... je mets au niveau du micro. Hein. Ben comme ça. Comme ça, on est un peu dirigé vers nous. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, le son est pas... au niveau de la puissance, bon, c'est moyen. Hein, c'est, par rapport à une grosse enceinte comme ça, bon, c'est pas ultra puissant. Ça va servir pour sonoriser normal. Après, si vous voulez ouvrir une discothèque, ça sera un peu léger, on est d'accord. Après, par contre, au niveau du son, c'est super bon, quoi. On a des basses bien présentes. Vous voyez, on a des bonnes basses. Ça, c'est assez agréable. On a un médium qui est bien rond, qui descend un petit peu et qui permet d'aller un peu plus haut, avec un petit aigu comme ça, mais on se rend compte que c'est un aigu de médium, hein. Ça veut dire que c'est du haut médium, mais pas vraiment de l'aigu. Encore une fois, c'est un haut-parleur large bande. Donc du coup, en fait, on a un bon petit son qui est bien dynamique, qui est plutôt sympathique quand on le met comme ça. Je sais pas si vous voyez le haut-parleur aussi. Non, c'est pas mal. C'est une bonne surprise. En fait, l'enceinte est plutôt jolie. Bon, après, c'est du plastoc, hein. Donc tu la mets comme ça. Le son est bien, il est clair. Ça permettra d'écouter de la musique. Encore une fois, bah, c'est du mono, pas de stéréo. Et elle ne vaut que la maudite somme de... alors, cette enceinte nous a été envoyée par Effet Shopping. Encore une fois, le deal, c'est ça. On nous envoie des produits, on demande pas de thunes. Par contre, si c'est nul, bah, on dit que c'est nul. Si c'est bien, on dit que c'est bien. Si c'est correct comme ça, bah, on dit que c'est correct comme ça. Après, elle est pas incroyable. Encore une fois, on a entendu bien mieux. Mais surtout bien plus cher. À 70€, déjà, tu commences à avoir des trucs qui ronronnent un peu. Mais là, à 30€, 27,99€. Allez, le prix de l'animal ici, 27,99€. Vous le trouvez directement chez Effet Shopping. Je vous mettrai le lien en bas dans la description. Comme ils sont sympas. On peut arrêter la musique. Ouais, ça c'est bien. Et tu peux mettre la chanson d'après en restant en vie sur le bouton plus. Voilà, par exemple.
Bon, si jamais l'envie t'en disait. Ils nous ont donné un code promo de 10%. C'est GLG Review, GLG Review, sans le S, en majuscule. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, ça vous fait 10% de remise, soit 27,99€ moins 2,80€. Bah, ça fait une enceinte à 25€. Bien, 25€. Alors, je sais pas s'il y a du free shipping et tout. Je vous laisserai aller voir sur le site. Donc, du coup, à 25€, ça fait un bon petit produit. Voilà, assez sympathique. Un bon petit son, IPX4, une bonne autonomie. Bon, annoncé plus d'une dizaine d'heures, c'est pas mal. C'est vrai qu'en même temps, il n'y a pas une puissance astronomique. Donc, du coup, bon, elle va tenir la batterie. Non, c'est bien, c'est un bon petit produit. C'est une bonne marque, Basus. On en trouve de plus en plus un peu sur Internet et tout. Et c'est une marque que je saurais que vous conseiller. Avec un bon petit produit qui est totalement homogène, correct, qui fait du son. Et c'était un petit peu ce qu'on lui demandait. Voilà, allez, comme toujours, les 3 R, share, commentaire, pouce en l'air, share en partageant sur les réseaux sociaux, parce qu'on a des gens qui cherchent une petite enceinte, Bluetooth, IPX4, à moins de 30€, qui fait bien le taf, et dont le son, vous l'aurez entendu, je pense, avec le micro, même si, encore une fois, le micro atténue vachement le... C'est vite que ça dure, comme ça, on s'entend pas et tout, ça, c'est un peu l'effet du micro qui s'ajuste automatiquement, qui a un bon petit son. Donc voilà, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu as pensé de cette enceinte, si c'est le genre d'enceinte qui pourrait t'intéresser, IPX4, machin et tout, ou pas du tout. Non, toi, ce que tu veux, c'est qu'il y ait des cornes de licorne. Oui, bah oui, de licorne, c'est mieux, parce qu'après, alors une seule, alors bon, d'accord, au milieu. Ou alors des LED, je sais pas, voilà, enfin, si vous en voulez, il y en a une autre sur l'autre chaîne d'ailleurs. Je vous inviterai à aller voir sur GLG Reviews et GLG Vidéos, c'est lundi, c'est la partie audio. Voilà, et enfin, si t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas, tu te fais plaisir. Moi, je te donne rendez-vous ce soir à 16h pour un GLG par en live en mode à quotidien où on parle des nouveautés high-tech de la journée, et sinon, on se retrouvera mardi pour un autre produit directement depuis Amazon. Par exemple, là c'est vraiment Amazon. Quoique je sais pas, on va voir. À demain, paix, prospérité. Non, à ce soir, bye bye. Oh.